Il serait franchement temps que nous implorions nos ancêtres, ceux qui ont fait que nous soyons là. Nous venons là de dépasser le seuil de la pauvreté et de la peur, dont nous n'avons plus rien à perdre et encore moins à craindre qui que ce soit. Oui, nous pouvons accepter ce que je vois. Nous pouvons là accepter ce que j'entends. Et nous pouvons là accepter tout ce qui se dit sur nous. Comprenez qu'il me soit difficile de tricher avec ma propre conscience, à moins d'être aussi inconscient et cédant cet abordage que je ne voudrais point franchir. Alors autant mieux aller droit au but pour avoir des réponses claires et nettes. Et s'il s'avère que je me suis trompé, je m'en excuserai toujours avec autant d'élégance. Au cas contraire, il ne faut surtout pas compter sur moi. Le Congo a chèrement payé de cette vilaine farce. Le dialogue de la rupture qui ne relève point de notre culture, aux mains des suffisants qui n'ont jamais rien apporté de bon au peuple congolais. Le cordon ombilical doit être coupé avec cette classe politique de la vieille garde qui s'accroche là, mordicus, au pouvoir par des subterfuges qui retournerait Nicolas Machiavel dans sa tombe. Oui, nous ne partageons pas la même vision du Congo. Et par conséquent, ils n'ont pas su là formater leur logiciel, à moins de l'avoir sérieusement mal formaté. Nous ne les matons pas. Nous dénonçons simplement leur insuffisance en la matière. Comment peuvent-ils aussi être décalés des réalités? Ils sont là à des années-lumière du contexte actuel de choses et par leur forcing qui saute aux yeux voudraient nous entraîner là dans une vision chaotique des choses à la Kim Jong-il. Le Congo d'aujourd'hui est plus que malade. Des saisons politiques et plus particulièrement du pouvoir en place qui fait mais tout pour que rien ne se passe comme prévu. Oui, comme cela est prévu dans la constitution actuelle. La politique des suffisants qui n'ont rien à se reprocher me met en colère. Alors que tous les accusent, c'est vraiment se moquer du monde. Avec de preuves à l'appui, toute violation de la constitution en place doit être condamnée par une poursuite judiciaire, voire sur le plan international, parce qu'elle met simplement le peuple congolais en état d'insécurité totale. Et nous avons vu de quoi ce régime est capable. L'insécurité que nous décrions est l'œuvre de ce régime qui, par sa communication, n'a cessé de nous mettre les bâtons dans les roues et en mal la constitution. Et quand cela ne leur convient, qu'on ne partage pas leurs avis, voilà qu'ils n'ont d'autre recours que de passer aux menaces tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, par des arrestations sporadiques et arbitraires. Je ne pensais pas que les intellectuels pouvaient être aussi bêtes que ça, mais en République démocratique du Congo, hélas, ils battent tous les records.
Or aujourd'hui, nous sommes bien loin et le peuple est loin d'être aussi bête. Le peuple n'est pas suicidaire, il est simplement en colère de voir de la façon qu'on le traite par ses suffisants. Des gens qui opposent la raison à la force, des gens avec qui tout nous oppose et se pose en faiseur de roi. Des gens qui opposent, comme je le disais, la raison à la force, des gens avec qui nous sommes en opposition totale et nous font vivre dans un stress permanent. Oui, un stress pas possible, là où nous devrions nous sentir au mieux, nous sentir en paix. Voilà le Congo dans lequel ils nous ont cloisonnés, avec à la tête de nos institutions des personnalités douteuses. Au nom étranger, et plus particulièrement Rwanda, Burundi, Ouganda. Non, il faut mettre fin à cette mauvaise blague. Oui, même dans une cour de récréation, il y a des règles. Et on voudrait qu'on se taise, qu'on ferme les yeux là-dessus. Non, nous n'allons pas entrer dans ce jeu. Nous n'allons pas entrer dans la danse, ça serait là. Jouer leur jeu et leur montrer que nous avons peur d'eux, ce qui est bien loin d'être le cas. Nous avons été bernés, certes, piégés. Maintenant que nous le savons, nous n'aspirons qu'à une chose, remettre les choses bien en place et le Congo sur les rails de son histoire. Que le Congo retrouve là son cours normal. Le Congo ne manque pas des dignes filles et fils pour l'emmener vers de véritables succès. Oui, pour l'emmener de l'avant et le propulser vers un avenir bien meilleur que ce chaos si savamment orchestré par nos pires ennemis et qui ne s'en cache plus. Je crois qu'il serait temps de cesser de nous faire passer pour ce que nous ne sommes. Voilà des gens qui se défendent de tout, encore malgré toutes ces preuves tangibles qui sautent aux yeux et ne laissent même pas le moindre doute aux aveugles. Que les intellectuels d'un logiciel aussi mal formaté continuent là à défendre aux mordicus leur chapelle n'échappe à personne. Les Congolais ne demandent pas tant que de retrouver leur paix, leur quiétude et leur bon repère. Nul ne nous rendra toutes ces vies humaines dont on nous a volées. Pire que le génocide rwandais. Oui, il y en a marre de nous voir ridiculisés à ce point à longueur de journée par des gens qui valent nettement moins que nous autres. Oui, il y en a marre de ces gens sans foi ni loi qui ne cessent de nous narguer sous le nez et la barbe de la dite communauté internationale. Pourquoi ne pas dire ce que tout le monde sait, ce que tout le monde entend et dénonce, cette théorie du complot par laquelle il ne cesse d'acheter les consciences de certains Congolais qui du jour au lendemain deviennent leurs avocats, des véritables avocats du diable. Vous savez, ma richesse est à la taille de ma vertu. Pour sortir notre Congo de là où on l'a mis, dans cette boue immonde qu'on croirait retrouver au bout du monde.
Oui, il est temps que nous montrions à ceux-là que nous n'avons pas peur d'eux. Ils peuvent briller par leurs armes, par leur violence inouïe. Mais la raison a toujours été maître de la conscience. Ce que je ne pense pas qu'ils ont à les voir faire. Oui, cessez là pour une fois de nous prendre pour plus bêtes que nous ne sommes. Car nous voyons bien ce que vous attendez faire de notre Congo. Et nous, en tant que fils et filles dignes de ce pays, nous ne vous laisserons plus faire. À bon entendeur, salut. D'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus